Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui ce sera à nouveau une présentation d'un mod, donc un KZH Mover TTT 8100 version 1. Comme vous pouvez le voir, c'est une machine pour faucher de l'herbe. Je pense qu'elle va plaire beaucoup à un ami KZH68, les amitiés à toi, et les amitiés bien sûr à classe DX69, toi aussi les amitiés. Donc ce petit mode, donc je trouve fort sympathique. Excusez-moi. Les fonctionnalités sont très simples. Donc on va essayer déjà les gyrophares, ça fonctionne. Le klaxon, il fonctionne aussi. Vous allez vous demander pourquoi j'ai de l'herbe dedans, parce qu'en fait je l'ai essayé. Donc c'est un KZH, donc à chenille avant et arrière. Je vais vous faire voir un peu l'intérieur. Le voici. Donc pas trop mal fait, hein. Ça ressemble un peu à un guidon d'une moto ou d'une tondeuse toute simple, hein. Voilà un peu l'intérieur. Bon, il n'y a pas les portes qui s'ouvrent. Donc je vous propose de l'essayer. Donc je vais remettre en vue, voilà, extérieur. Donc alors, j'ai un peu regardé le mode, comment il fonctionnait. Donc déjà X pour baisser. Voilà, comme ceci, pour baisser les faucheuses. B donc pour activer, comme vous entendez, il y a le bruit qui arrive. Et donc pour le ramassage, vous appuyez sur haut et faut rouler en vitesse 1 si je me trompe pas. Donc on va essayer. Donc là ça va pas le ramasser, pourquoi? Donc voilà, vitesse 1, il faut attendre que ça soit bien activé. Donc on va voir le temps de stockage qu'on peut y mettre dedans. Donc on va le remplir au maximum. C'est une machine, je vous ferai voir après à combien elle roule non active. Je crois qu'elle doit faire, je sais pas. Là déjà, en temps de travail, elle fait du 16-17 km/h. Ça va pas mal, je trouve. C'est une machine qui est sympathique, hein. Bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Comme ça, si vous la voulez, vous l'aurez. Donc voilà, donc le remplissage est à 30-40%. Je pense pas d'aller plus vite en vitesse 1, parce qu'en vitesse 2, ça doit pas ramasser. Donc je préfère rester en vitesse 1, c'est que je perde du temps. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, aimer, partager cette vidéo, hein, et puis voilà. C'est super comme machine, j'ai l'impression que c'est plutôt sympa. Quoi dire de plus? Pas grand chose. On va bientôt atteindre les 100%. Ça devrait pas trop tarder. Et comme vous pouvez le voir, ça fait net. Je vais pas très droit, veuillez m'excuser. J'essayais de vous faire voir d'un autre angle. J'irai vous le faire voir pour aller le vider vers le biogaz. Je pense que ça devrait pouvoir se faire.
100. Voilà, donc c'est plein. Donc je vais tout relever, donc B, VX, et je vais faire, je vais aller vider au biogaz pour vous montrer. Ah, j'ai bien été bien loin, je trouve. Donc capacité 19 000 litres, c'est plutôt pas mal. Alors si je ne m'abuse, les biogaz se trouvent par ici. On ne doit pas être très loin du biogaz si je ne me trompe pas. Donc vitesse de pointe 43-44 km/h. Le biogaz, le voici. On va rentrer. On va jouer les. Quel silo pour vous montrer. Voilà, donc on appuie sur A comme d'habitude, ça se lève. Donc c'est vrai que côté pratique avec les chenilles, et ben doit sortir facilement. Et voilà, donc pour ce KZH Mover TTT 8100 version 1, donc ben j'ai envie de vous dire abonnez-vous, aimez, partagez. Et donc bien sûr, à bientôt. Pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, et puis bien sûr d'autres multi, je pense que viendront par la suite en vidéo. Je vous dis bye bye, à bientôt à tous, salut.